Alors. Bonjour à tous, nouvelle vidéo ici avec Jennifer. Coucou. Salut. Ça roule ou quoi? Ça roule. Tranquille. Tranquille. On est bien. Premier site de la journée aujourd'hui, on est à Carthage. C'est le théâtre de Carthage. L'amphithéâtre, je veux dire. C'est l'amphithéâtre. Donc il y avait les combats de gladiateurs. Les jeux sanglants, quoi. Ah ouais. Ouais, sinon, c'était quoi ici exactement? Ici, c'est l'amphithéâtre et en fait, c'est les jeux sanglants ici. C'est le jeu les gladiateurs. Ah d'accord, ok. Tous les gladiateurs, tous les combats avec les fauves et tout ça. Mm-hmm. Et après l'autre théâtre, là, ce qu'on va voir après, c'est le théâtre, donc les comédies, ça, les chants, les musiques et tout, c'est trucs comédies quoi. Mm-hmm. Là, c'est vraiment les jeux sanglants. Et Carthage, ouais, donc le site de Carthage, après j'étais pas spécialement connaisseur de comment c'était situé et tout ça. Donc ouais, tous les lieux sont vraiment quand même pas mal espacés. Faut avoir un taxi quoi, un taxi ou avoir une voiture de location ou après tout dépend comment vous venez. L'entrée c'était 12 dinars par personne, donc on divise par 3 à peu près, hein. 3, 6, 9, 12, c'est 4 euros. Et donc là la descente ici c'est le passage des prisonniers. Les prisonniers passaient par en bas, ils arrivaient d'en bas. Apparemment les fauves c'était plus vers le haut. Par contre après la capacité des gradins, tout ça et tout à l'époque, bah là vu que c'est quand même pas mal en ruine, on voit pas spécialement de gradins, je sais pas. J'ai pas regardé à l'entrée s'il y avait un panneau d'information. Donc voilà, il devait y avoir les fauves. Hein. Les fauves qui étaient mis là en attendant que le spectacle commence. Bon après, bien que la pierre elle est usée par le temps. Donc ouais, le site, je crois que c'est à peu près 2000 ans. Hein. De toute façon, c'est l'époque romaine. Hein. 2000 ans, entre 2000 et 3000 ans, à peu près les sites. Voilà, la pierre, ça dure dans le temps, des marques indélébiles. Un peu là. Des beaux pavés, hein.
un beau bloc. Oh, moi celui-là, il est énorme. Elle est énorme cette pierre-là. Ça glisse, attention. On va y faire là-bas au fond. Moi je fais la vidéo, elle a fait les photos. Là, je vais voir l'autre. Pareil. On regarde encore s'il y a des passages spéciaux. Je pense qu'on est au niveau des cellules. Bon, donc après, bah, comme vous voyez, même si il peut se visiter relativement rapidement, tout dépend ce que vous avez à faire dans votre journée. Parce que nous aujourd'hui, on va pas faire que Carthage, on va faire. Bon, on va aller à ouais, Carthage, bien sûr. On va aller à Abou Saïd aussi. Je crois que c'est Abou Saïd, c'est le village blanc-bleu. Je sais pas si. On va aller à Tunis aussi. Puis après, bah, Carthage, le site de Carthage, je crois, tout ce qu'il y a. Tu peux mettre une journée, je veux vraiment tout voir ou quoi. Je sais pas, il ouais, n'y a pas d'autres passages au fond. Je regarde s'il n'y a pas d'autres passages particuliers. Passage encore plus profond, quoi. J'aurais bien aimé voir à l'époque hein, comment c'était. Bon, c'était un truc sanglant, quoi. Mais l'architecture, comment elle devait être. Quoi ça pouvait ressembler vraiment. Voilà, l'amphithéâtre de Carthage, où il y avait tous les combats de gladiateurs. Voilà. Les
photos que j'ai faites vont bien. Ouais, bah tranquille, on verra. Hein. Voilà, donc vas-y, bah bisous, et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo tout à l'heure. Prochaine. Sur les prochaines vidéos. Allez. En Tunisie. Voilà, gros bisous. Ciao.